J'ai pas oublié le micro. J'ai pas oublié le micro. Ah, bon, si. Et on pourra lancer. On pourra aller ça. Ce courrier, je n'ai plus le temps. Alors, c'est le cinéma où personne ne meurt, c'est pas marrant, on va faire le mode normal. Est-ce que le mode est pris en compte? Yes. Allez, nouvelle partie. Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est Poli? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Akelsquad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, amputée, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention,
Aketsquari peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention! Bravo, chérie, joli réflexe! Merci. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes... Mais... J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, la force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Il n'y avait pas d'indication sur la brochure? Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux feu de camp. Génial. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. C'est un ganache qu'il a, lui. Bah, la route, hey, plutôt. Bah. Regarde la route, s'il te plaît. Oh. Nickel avait derrière la tête. Ça va pas, t'as passé une bonne journée? Tu as passé une bonne soirée là. Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas ce que c'était. On est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas. Je sais pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre? Ouais, ouais. Ouais. C'est pas si grave. Ma mère va me tuer. Utiliser pour marcher. Bon. On peut y aller là. Oh, je l'ai vu déjà. Oh, je l'ai vu. Oh putain, je me le retape. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Aketsquari. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Ah. Attention, Aketsquari peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre.
mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. C'est bon, je me suis cogné deux fois. Un coffre. Il n'a pas été pris à l'université. Ouais. Ah, merci. De rien. Je peux t'aider ? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici ? Un petit peu, ouais, c'est vrai, ce Pip-Boy. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp. En train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre feu. Vu que c'est le tuto, à mon avis, eux... Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Je regarde un truc parce que je trouve que c'est... Ça l'a bouillé un peu. Ça roule toujours. Quoi il est... Il n'y a pas de flou, j'ai enlevé le flou, hein. Ah, c'est peut-être la limite, il faut mettre la limite à... C'est 30 fps, sinon c'est la misère. J'avais vu les tests, ils le disent. Ça devrait être beaucoup mieux, là. Beaucoup mieux. Alors, je lui file sa trousse à outils. Ou pas. Putain. Ouais, regarde. Oh, putain. Ah, c'est ce ghost. Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Allez, Max, dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversée? Je veux juste vérifier. Ok. D'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudente. Ouais. Okay. Ah oui, il est plus à fond, il est moins dans le test que moi. Hein. Moi, je survole. Hein. Ça, c'est certains jeux, je survole. Ok. Bonne chance à toi. Il est si fond. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est une voyante. Ah ouais, c'est une affiche de un truc, un flyer de la média.
Il fait que de l'horreur aussi, ouais. Ça dépend. Après, moi, c'est vrai que comme Phasmo, quand t'es tout seul, c'est. Ça n'a pas le même. C'est vraiment typique des films d'horreur des années 80-90, hein, où ils sont obligés de se séparer en fait. Et ça. Ouais, elle va se perdre alors. Pourquoi elle est partie. Jamais je ferais un truc comme ça. Hein. Ah ah. Ah ah. Se cherche ses ennuis, moi je le dis. Putain, on l'a encore vu. Chérie, respire, tout va bien, c'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs, il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, oui, s'il oui, te plaît. Oui, on y va. Ok. Ça va? Ouais, écoute ça, elle ronronne comme un chat. Max, allez! T'inquiète, t'inquiète, on dégage d'ici. Dis-moi, tu te fous de ma gueule! Max! J'ai juste. Bon, laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte, Max! Oh, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît! J'essaie de nous sortir d'ici, mais. Arrête, c'est... putain! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. C'est bon, ça va. Tout va bien. Ouais, ouais. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Oh. Putain! Merde. Oh, putain! Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Mmh. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Chemin croisé. Chemin choisi. Ok. Oui. Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et. On s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites? Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Elle? Vous avez percuté quelqu'un? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas. Je suis. Je crois pas. Elle est jolie? Monsieur?
Laissez tourner le moteur. Monsieur ? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. Ce gars qui est bizarre. Je sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté ? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Là. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont ouais, grands, vraiment. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord ? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous ? Non, il vaut mieux. Il faut y aller. Ok, d'accord. Bon, on va dormir au motel, c'est compris. Vaut mieux. Il y a juste un petit problème. J'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone. Il veut dire qu'on est perdu, complètement. D'accord, madame. Sortez du véhicule. Quoi ? Je veux juste vous montrer comment aller jusqu'au motel sur votre carte. D'accord ? Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon, je m'en occupe. D'accord. C'est quoi ce mec ? Ok. Alors, on est... à peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Tout ça pour lui montrer ça, il pouvait pas lui montrer... Wow. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Peut-être que c'est pour la réalité. Et s'il y a quelqu'un par ici ? Des emmerdes. Oui, je vais voir. Bonne soirée. C'est peut-être le contraire, on pense que c'est pour les buter, mais en fait c'est peut-être pour leur éviter de se faire bucer. Ça fait rester sur la route. Qu'est-ce qu'il est fait lui, en pleine nuit, au milieu de la forêt lui. Putain. Pourquoi il y a un wish. Planté là, cet arrêt. Ouais, démarrer. Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là. Tu crois que c'était du sang ? C'était un plaisir. Il démarre et speed toi, putain. Oh là là. Moi, je te dis que... Très bien. On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir. Merci. Et là, c'est clair. Alors, où est le motel ? Ok, bon, on est ici. Mm-hmm. Et le motel est là. Ok. Et nous, on va là. C'est quoi ? Hackett Squarry. Comment t'as fait ? Je sais pas.
Moi, je me suis arrangée pour qu'il me... T'as assuré. T'es sûre qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ses voix flippants d'aller à un motel flippant? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok? Ravie de l'entendre. Madame. Non, mais je te jure! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Quoi? Bah, 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Je suis assez surpris que ça se passe bien. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir? Enfin, il y a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi il y aurait une épave? Ouais. Dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. C'est le motel. Oh là là. Oh là là. Chouette qui a chopé un peu le Covid, je pense. C'est mieux à se barrer, ce con. Que j'aurais dû aller dans la voiture. Peut-être. Y'a quelqu'un ici? Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ouais. Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On peut essayer d'aller au fond. Hein. Moi je dis. J'ai toujours des idées pourries. Moi. Sortir entre temps et voilà. Max, Max, viens par là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Tu crois que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas, je apporte des outils, on doit casser le cadenas. Hé, je suis là,
On va vous sortir d'ici. Hey. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi? Si, là. Je regarde, je vois rien. Oh là 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 là. Ça, c'est les persos du tuto, j'ai le droit. Mais pas ton œil comme ça, parce que des fois... Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, ok, bon. Marteau. Je prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Et alors, quelqu'un est enfermé. Waouh, c'était super bruyant. 10% de perte. T'as besoin d'aide? Ouais. Oh là 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 là. Ah, malheureusement, il y a de l'échec. T'as jamais vu Evil Dead? Le plus Dead, même. Hein. Eh oh! Tiens, Chatoun, tu dormais pas? Vous êtes blessé? Vous existez? Eh, fais attention. C'était un collier, ça, non? Wow. Max? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Oh là 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 là. Il est où, Max? Je ne me souviens plus. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh, la nuit a été longue, ok? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Le truc va se fermer. Notre imagination... Max! Ah oui, c'est... Max la menace. Max! Si tu sens. Aide-moi. Tu perds beaucoup de sang. On va l'aider. Hein. Il est pas très vite, mais on va l'aider. Voir se liquéfier. Il avait dit d'aller au motel. Est-ce que vous trouvez
que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger ! Bon, c'est mon tuto. C'est le tuto, c'est le tuto. Je pense que c'était obligé. C'est un bien film d'horreur des années 80-90. C'est bien fait, ça, par contre. Hein. Est-ce que même sans spoil, moi j'ai déjà capté quoi. C'est le problème. C'est un peu dommage même. Que ce soit aussi. Ça paraît évident d'entrer quoi. Bonsoir à vous. Ah, c'est bien. Bienvenue c'est... chez moi. C'est pas le mec des. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Les visages sont bien faits. Ne vous en faites pas. Oh. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide. Comme dans l'inconnu. C'est fascinant. Comme oui. Bibliothécaire. Et terrifiant. Mais avec du courage. Et bien sûr, votre autorisation. Je vous aiderai. Nous nous entraiderons. Vous n'avez rien trouvé et en retour, je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Les cartes vous attendent. Si vous ne m'aidez pas, comment pourrais-je vous aider? Nous sommes du même côté et vous le savez bien. Cherchez mieux. Vous seul les trouverez. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, une se tronche. Ah, c'est le vrai jeu qui commence, ça y est. Chapitre 1. Déchire tout. Ils sont combien là? Combien je vais en tuer? Tu sais deux. Combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantique apocalypse. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers? Ouais, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Y a rien à dire, c'est vrai, ça va? Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a largué, c'est ça? Arrête, lâche-moi. Salut Emma. Salut. Trois.
Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Ici. Du coup, c'est fermé. Hop, c'est quoi ça? Ah. Oh. D'après les infos du journal local, le Norskalien. Quatrième. Hé, hey, qu'est-ce que t'écoutes? Intéressant. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas. Il me reste des sacs à descendre, sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Désolé. Cool, merci les gars. Ces cons l'ont verrouillé. Sérieux? Donc c'est la fin des vacances là, c'est la fin de la colo. Je sais plus. Dans le premier que j'avais fait, oui. Le deuxième, dans le sous-marin, je crois pas que j'avais tué tout le monde. Et dans le 3, le désert, je parle de Dark Picture Anthology. Je crois que j'avais des survivants. Hein. Mais le premier, oui, c'est sûr, c'est catastrophique. En même temps, dans ces films-là, ils meurent tous. Hein. Ok, sérieusement, vous avez fermé? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super marrant. Ah, ok, ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas? Nah, faut que j'attende ici que Monsieur H nous rende nos portables, désolé. Je le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués? Bah, apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est Monsieur H qui le dit, hein, pas moi. Ah ! Super ! Ouais, j'avais pas perdu tout le monde, sauf dans le premier. C'est toi, Dylan ? Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob.
Je trouve la caméra des fois. Ouais, c'est eux, ouais. J'ai l'autre, le dernier de Zack Picture Anthology dans les cartons. Hein. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah, oh la vache. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein? Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Ah, sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan... Moi, bien sûr. Puis Dylan, Emma, Abby, okay. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon. Tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout. Tout le monde y est. Alors, elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre, Jacob... Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Non mais franchement, sérieux, elle a pas tort, avoue. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus? Voyons... amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse. Enfant, divorce, solitude, droit de visite, pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir, mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin du compte? Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir... Ah, j'ai trouvé. Toi, ça dit juste... plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Il est temps de l'avoir couiné. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil. Il y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, lâche-moi. Ah ouais. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi?
C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais. C'est... On verra bien ce que ça donne. J'ai bien en tête, Chatoun. J'ai tellement aimé. Tu viens avec moi, mon pote. Je te remets à ta place demain. Ni vu ni connu. Hé les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob. Non, 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 mec. Non, non, fais pas ça. Passe longue. Oh. Nick. Boum. Oh. Oh. Allez. La classe, bien joué. Taré. Oh. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billet. Taré, je suis entouré de taré. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! Ok, mais moi au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, waouh, quelle répartie! Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'un soir. Ok, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir? Oh. Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Ah, du coup, ça va peut-être être la minute de trop. À cause de sa tête d'allumage. Qu'est-ce qu'est le 16 juin, Chatoun ? Coucou, vieux hibou ! Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut ! Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Purée. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Je supporte plus. À force, j'ai sujet. Non, c'est sac. Tu déconnes là. Ça s'appelle entrer par effraction. Non, ça s'appelle récupérer ce qui nous appartient. Pourquoi on va pas voir Monsieur Hackett pour lui demander de nous ouvrir? Abby, sérieux, nos affaires sont à un mètre de nous. Désolée. Non. Dès qu'on arrive au chalet, on trouve Monsieur Hackett et on lui demande pour nos bagages. Soit. Emma. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Fais-toi plaisir. Nouvelle saison d'Outlander le 16 juin. Nouvelle saison d'Outlander le 16 juin. On peut pas. J'ai un scoop. On doit le savoir déjà.
Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Nouvelle saison d'Outlander le 16 juin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan? Elle a fait ça. Salut Soso. Mais je sais pas si ça va te plaire ce soir parce que c'est ça parle de bois, de nuit, de bruit dans le bois la nuit. Et c'est on va remonter le chauffage. Hein. Ouais, ben moi je sais pas. Le 16 juin, je pars en vacances. Wow. Je peux plus, je ne peux plus. Et je peux plus. Il y a Grey's Anatomy, ça qui recommence, je peux plus. Moi je peux plus. Là. Mais je disais quoi? Oui, ce saut de la forêt. Si tu critiques Outlander, je critique pas, mais comment dire? C'est pas bien exploité, c'est dommage, c'est pas assez bien exploité. Il y a des choses qui sont pas assez bien exploitées. Le peu que j'ai regardé, après, elle a un côté un peu trop, fraiseur comme les fraises, tu sais. Mais elle a un côté Dr. Quinn un peu qui me... Pénicilline. C'est anachronique en plus. Enfin, ouais, je sais pas. Je peux plus... Ouais, je vais aller chez Bad en vacances. Je risque pas de tomber sur Grey's Anatomy et Outlander. J'ai même pas vu, pas d'indicateur. Ah ouais, Soso, oui, j'étais coupé, pardon, on est parti sur autre chose. Oui, en fait, c'est un jeu d'horreur. C'est-à-dire que c'est. Ça se passe dans une colonie de vacances. Et. On a une intro assez. Particulière. Et donc, si j'ai bien compris, c'est six éducateurs, c'est ça ? Tombe bien. Qui se retrouvent seuls dans un camp où il se passe des choses dans les bois. Ouais, tant que c'est pas la nuit, c'est plutôt calme. Bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. C'est le camp de vacances de cet été, Soso. c'est pour mettre dans l'ambiance. Ouais, mais je sais pas où il faut aller. Un corbeau. Hé hey, arrête ça. Mais le pire c'est que je dois partir encore, mais je sais pas encore où. C'est pas des blagues. Ça
ça veut dire que je vais streamer je vais faire des lives IRL. Je crois que c'est 4 jours, je crois 4-5 jours. Mais c'est immense, ça. Ils sont où les autres là? Non, parce que la nuit tombe là au moment. C'est fermé. Ah, elle attend peut-être la voiturette. Je visite. Du 19 au 23, en classe verte. Est-ce que j'ai une tête à aller en classe verte? Sérieux? Prête à y aller? Allons-y. Allez. Allons-y. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si... rayonnante? Agaçante. Sûre de toi. Oh, c'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi? Toi et Nick? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. Ça se coûte toujours, moi. Oula. Waouh! Joli coup de volant. La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes? C'était l'été. Va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email? T'es si vieille que ça? T'aimes pas les emails? Tu vas vraiment me manquer, Abby. C'est un nom de village, ça? Oh, attends! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi? Allez, une balade! Un dernier tour triomphal autour du camp. Allez, on est joueurs. Allez, soyons fous. Ok, c'est quoi le triomphe? 2 mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Tu sais quoi? Je veux bien te croire. Abby, est-ce que c'était un compliment? Ton charme est contagieux, qu'est-ce que j'y peux? Je pourrais te suivre. Bah j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré? Le feu de camp? Non, l'île. Elle est grave isolée, non? Elle, ça va être la première à mourir. C'est de la fumée? J'ai pas le choix. Ah oui. On le signale aux autres? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Mm-hmm. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend? Les autres, tous, pareil. Je vais essayer de la mettre au château.
Je vais essayer. Bon, là, il s'est pas passé grand-chose, hein, franchement. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi. Je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi, le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, bah... Hey, Nick. Hey, où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Où ils sont, vos sacs? Monsieur H avait déjà verrouillé la porte. Pourquoi? À cause des ours? Apparemment. Vous pouviez pas défoncer la porte? Tu vois, si Dylan pense que ça aurait été une bonne idée, ça confirme qu'on a fait le bon choix. Ouh. Ah. J'adore mes idées. Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Harry Hunter, c'est qui? Un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett's Quarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. C'est assez stéréotypé quand même. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mais c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors les jeunes, vous êtes encore là? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y alors. Oh, David Arquette. Fichez-moi le camp d'ici. On serait parti si on avait pu récupérer nos sacs. Pardon? Vous avez bien dit tout de suite, monsieur H. On y va, monsieur H. Pardon, monsieur Hackett, mais nos sacs... Ouais, le cabanon. On fait notre max pour y aller, mais Ryan essaie de nous foutre la trouille avec ses histoires de fantômes débiles. Ok. Je pense que ça suffit comme ça. C'est quoi encore ces histoires de fantômes? La F2HQ. La folle de Hackett's Quarry, j'allais juste. Oh, nom de Dieu, Ryan. C'est vous qui avez la clé, monsieur H? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H.
Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Cool, cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. T'inquiète, je te filerai un écouteur. Bon, il fait nuit quand, là, parce que... Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Je suis pas viré, au moins. Non, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? C'est plutôt bien fait quand même, hein. Faut les visages... Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes. Faut pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. Avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Ça sent le traquenard, cette histoire. Le guet-apens. J'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin... Bref... Qu'est-ce que tu me disais? Oh, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez un rancard ce soir? Mon sang. Si tu savais. Ryan, tu devais t'assurer que tout le monde soit prêt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment d'autorité. Alors il va falloir que tu t'imposes, mon grand. Je sais, mais... Merde, plus le temps d'aller chercher leur sac. Ah bon? Mais ça m'étonnerait que les filles acceptent. On les fera envoyer dans quelques jours. Et en quoi je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît... Évite les histoires de fantômes. Déjà que... Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Salut Gringo, comment vas-tu? Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Oula. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital.
Ça craint. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Ça met du temps, mais je pense que ça va démarrer. Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau... Là où je les avais laissés. Ah. Allez, en route. Il est vachement pressé qu'on se casse quand même. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Oh, et l'autre, il a sorti la pièce de la voiture. Oh là là. Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant nous? Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. Ah, Emma, je vais devoir vous les envoyer par la poste. C'est mort, non, je partirai pas sans... Je crains que tu n'aies pas le choix. Allez, Jacob, démarre. Oh, purée. C'est quoi le problème? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez tous les deux. Merde. Allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Bon sang. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe? Aïe, 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 aïe. Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non. Non. Non, arrête. Je réfléchis. Il a la vanne d'arrivée ou je sais pas quoi, il a un truc... Hey, Ryan, viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Ouais. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes! Et par pitié, ne faites pas de bruit! Bon...
Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma! C'est une putain de blague! On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. Qu'est-ce que t'entends par là? Pas de monsieur Hackett, pas de gamin qui crie. Juste un groupe d'adultes responsables, prêts à se lâcher et à assumer leur côté animal. Ah, mais grave! On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma, t'en dis quoi? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais, mec, mais... il n'en saura rien. J'ai promis. Non, mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa. Laisse tomber. Tout va bien se passer, mec. Crois-moi. Ça va être cool. Ok, allez, tout le monde, on s'active! Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti! Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va! Ericsson. Oh la vache. Oh ouais. Oh yo yo yo. Balèze lui. La saison de la chasse. Oh. C'est la voyante. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Voyons ce que vous avez. Vos mains sont vides. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Trouvez-les, je vous prie. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Prenez garde, prenez soin de vous tous et essayez de trouver mes cartes. J'ai pas trouvé de cartes, moi.
J'ai eu 6 heures de jeu en mode cinéma, où il n'y a pas de mort. Eh bah, on en est là. Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter... Et puis 10 heures si tu fais le jeu normal. L'humanité vaincra-t-elle? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça, j'y suis presque, ok? Putain. Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Wow. Et voilà. C'est bon, j'aurais pu le faire. Tu m'as mâché le travail. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. Oh, j'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Waouh, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Un coffre-fort. Il est sûrement fermé. Je sais pas ce que j'espérais. Mortel! Oh! Jackpot! Mate un peu mes grosses pastèques. Oh. Tiens. Tu découpes un pot dedans. Mm-hmm. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais. C'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais, tu peux aussi... Je vois. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. Ok, le contrôle est là. Sortir de là. Oui, c'est pas nu, ça a déjà commencé. Un chalet. Je me demande ce que c'est. Fermé. Sa mère, la porte!
Mais dis-moi, ça va aller ton pied? Ça doit faire mal. Wow. On a touché le gros lot. Mate un peu tous ces trésors. Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à clé. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue, ouais. Ok. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Oh, mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum. Je veux jeter un œil. Ouais, vas-y. Sacré. Hey, regarde ça! Quoi? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Oh, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors... Viens, c'est bon. Au sein des chiens. Trace d'un ours? Oh, ah, cool! Ça, c'est cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un fusil. Oh, cool! Et un... code. Du coffre. Ok. C'est bon. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein? Ouais, pour les ours. D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Je pense qu'il faut que je fasse le... ouais, par là déjà. Et essayer d'aller jusqu'au coffre. Arum Skarum? Arum Skarum. Bah, c'est toute la voyante. D'accord. Bingo. Eh, c'est pas mal. Y'a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non. Emma. Feux d'artifice. Bon, on va les prendre. Ça peut servir. Tu sais quoi? T'as raison. Allez, on les prend. Ouais! Trop bien! On les prend! Et on peut dire que ce soir, ça va péter! Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière. Ils étaient carrément déchirés et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh, stop, stop. Oh, sérieux? Des peanut butter butter pops? Des putains de peanut butter butter pops?
C'est quoi des Butter Pops? Non. Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Pop. Non mais sérieux, c'est juste le meilleur snack de tous les temps. Qu'est-ce que c'est, un genre de popcorn? Hein? Non, non, non. Non, ça a rien à voir. C'est un truc à part, une sorte de sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi? J'en ai pas mangé depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet? Non, ça se conserve. Oh non, le paquet a 20 ans, ah, c'est ça? Tu sais, ils les avancent, les dates de péremption. Bah. Mais si, tu vas les adorer. Bah. Oh, sérieux. Ok. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Il n'y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là? Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette? Voilà. Ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Après vous, madame. Merci. Par où? Génial! Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ça. Et charger. Des podcasts. Ouais. Ok. C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment? Enquête paranormale. Et c'est sur les fantômes? En fait, ouais, c'est des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et ils parlent de phénomènes, ben, paranormaux. Parano? Pigé? Parano? Ah, t'as mangé un clown? Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ok, bah pas moi. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher? Bah Monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. Oh, il va foutre le bordel. Waouh, mat l'antiquité. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi? Bah, pour te demander de sortir avec moi, hein? Habile. Mais je crois que si j'appelais un portable avec ça, le truc exploserait. Allô? Oui? Quoi? Oula. Quelqu'un? Allô? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Oh, hein. T'aurais peut-être dû lui proposer un rencard. Ah putain, j'y ai pas pensé. Kylie et Caleb Hackett. Ils sont chelous, non? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Il est tout derrière, là. Il trappe. Hé, hey, salut! C'est quoi, ça? T'entends ça? Est-ce que c'est une trappe?
Ouais, je pense que ça mène au sous-sol. Oh. Mais pourquoi Monsieur H aurait une trappe secrète dans son bureau qui mène vers le sous-sol? C'était peut-être là avant que ce soit son bureau. Il a au moins 3000 ans, ça a toujours été son bureau. Ça doit être pour stocker des trucs. Ouais, ou c'est une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Ouais, ou pour le stockage. Ouvre-la, on verra. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde, tu peux te glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, Ryan, tu quoi? Vas jamais me croire. Quoi? Il y a que dalle. Oh, c'est nul. T'y as cru à fond pendant une seconde, avoue. Non. Peut-être. Ah, ferme-la. Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc, ouais, ok, je vais remonter. Barreau était abîmé. Oh, mate le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Dring, dring, dring. Oh, excuse-moi. Il faut que je prenne cet appel. Bonjour, colo de Hackett's Quarry, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H? Ouais. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa avec Dylan. Et... pardon? Vous voulez qu'il donne son numéro à Dylan? Ça, c'est un peu direct. Mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Oh, Laura Kearney et Max Brinley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Le tuto. Et pourquoi il y a un fusil? Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... pour les ours. Des ours? Ici? Ouais, ouais, il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est... armé. Et... ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Hey, et si on fait la fête ce soir, en pleine forêt, et qu'on se retrouve dans une... situation où on serait en danger de mort? Genre quand des gens chassent d'autres gens? Ouais. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Ok. Je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer? Non? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. On sait qu'il est là, tout ça. Bon, ben, on sait où est le fusil, en cas de besoin. Comme tu veux. Hé, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Ah ah, très drôle. Allez, y a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas un petit peu... curieux? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok. Me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre.
Et lancez franc. Ça veut pas dire ça. Ah. Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, y'a... Hey. Hey, on devrait peut-être parler. Ryan ? Wow, c'est quoi ce délire ? Sur les écrans, là, c'est le camp. Tu crois que Monsieur H nous espionne ? Non, non. Non, enfin, non, non, je crois pas. C'est juste... différents sentiers dans les bois autour du camp. Ouais... La plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois. En fait, c'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras ? Je crois qu'on les installe... pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi ? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Oh, ah, ok. Donc, en fait, Monsieur H, c'est pas un voyeur dégueu, pervers, hyper flippant, mais plutôt un chasseur complotiste cinglé. Pour info, le Bigfoot, c'est pas un complot. Ok, d'accord. Pourquoi pas un cryptozoologue amateur ? Hey, peut-être qu'il écoute le même podcast que toi. Ouais, voilà, on va dire ça. Ok, mais pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce, avec une porte secrète dans le placard ? Bah, c'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt caché derrière des trucs. Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec, c'est super chaud. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Ok, ouais, on verra ça. Ok. S'il a encore envie, repère secret. A plus. Hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. D'orbe. C'est quoi ça ? C'était sûrement rien. Couille de moniteur. Ça pue là. Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ouais, y a rien de marrant.
Eh, touche pas au fusil, mec. À vos ordres, chef. Tu ne lâches pas. Cool. Chargé. 20%. Hey, c'est bon ça. Ok, cool, on sort. Merci. Dommage qu'on n'ait pas la tronçonneuse de Monsieur H. C'est un coin très agréable quand les enfants sont pas là. Ils peuvent être un peu chiants, hein. Ouais. Ils ont l'air attentifs pendant ton cours de peinture. T'as vu mon cours ? Juste en passant. Le cabanon des armes n'est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui ne passait pas loin. Tu veux qu'on aille où ? Je te laisse choisir. Allons par là. Ah ! Oh mon Dieu, est-ce que ça va ? Je m'en remettrai. Ils se vautraient méchants. Descends, je te rattrape. Je connais une blague sur les artistes. C'est pas très drôle. Ah ouais ? Ouais. Je te l'ai dit ? Vas-y. D'accord. Écoute ça. Pourquoi le peintre le plus rapide du monde est-il toujours célibataire ? Je sais pas. Parce qu'il finit toujours en un coup. C'est nul, pardon. C'est Jacob qui me l'a dit. C'est pas plutôt pour les golfeurs, rapport au nombre de coups ? Ouais, peut-être. J'en sais rien. Jacob la tient certainement de ses campeurs. Ça m'étonnerait pas. Ces gamins sont de vrais pervers. Wow, c'est juste un oiseau. Pas de panique. Oh, je suis désolée, c'est juste... Je suis un peu à cran, c'est tout. Eh, hey, fais pas attention. C'est juste la forêt qui te joue des tours. J'allais souvent camper avec mon père et je croyais voir et entendre des trucs bizarres, mais... En fait, c'est la nature qui fait sa life. Attends, tu dis life ? Non, c'est... C'est encore un coup de la forêt. J'ai jamais campé. C'est plutôt cool si t'as l'esprit assez ouvert. Faut avoir l'esprit ouvert pour aimer camper ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut renoncer à des choses. Notamment le confort. Tu devrais vraiment tenter le coup. On pourrait le faire ensemble. Si tu veux. Peut-être. On verra si on s'en sort ce soir. Ouais. Oh, la nuit va être compliquée. Très compliquée. Là, ils sont en train d'installer le cadre là. Forcément, ils se sont séparés. Hein. Je crois qu'on est revenu au sentier. Oh, je crois que je sais où on est. Hein ? Par ici. Tiens, prends ça. Ok. Cette vue est juste... Waouh !
qu'on veut partir au camp. Je dis ça, je dis rien. Hé, dessine-moi. Oh, pardon, j'essaie juste de capturer ça. Ouais, pardon. C'était débile. Je vais juste finir ça. Prends ton temps. D'accord. Bon. T'as entendu ? C'est sûrement rien. Non, écoute. Il y a quelque chose. Fallait repartir au camp. Marcassin. Regarde ! Oh. Il est tout petit. Il y a bien la mer, pas loin. La mère a descendu, c'est la mère sanglier, ça n'a pas rigolé. Attends. Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Attention. Expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. C'est chaud là. Il me piétinait à mort. Ah, je suis désolée, désolée. Oh, le petit sanglier. Elle aura au moins une bonne histoire à raconter à son mari. Comment tu sais que c'était la maman? J'avais un très bon point de vue. Burk. Je crois qu'elle me draguait. Oh. Tu t'es trouvé une petite copine? Elle n'était pas si petite. There's no escape. So, so I'll grab my keys. I will follow the sun. On devrait peut-être rentrer. Il vaut mieux, oui. Il vaut mieux s'organiser pour ce qui nous attend. Je récupère enfin mon portable et je peux rien faire avec. Désolé.
Hé, hey, Kathleen, devine quoi? Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Minute quoi? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Oh. Tu trouves ça normal, toi? Bah, il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon, quoi de neuf par ici? Est-ce que tout est prêt? Bah, j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ouais, c'était un peu flippant. C'était peut-être ta meuf, Ryan. La folle de Hackett Squarry. Ah, oh, je t'ai dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett Squarry. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett Squarry? C'est fini? Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. T'es longue à la détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance, la vibe, vous voyez? À propos, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai du boulot. Ok? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Si, c'est possible, mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça, mais on a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux et il s'est sacrifié. Et vous êtes sûr que tout va bien? Pas de blessure ouverte? Tout va bien. C'était pas un taureau non plus. Mais je crois que Nick s'est trouvé une petite copine. Oh, raconte. Oh, livraison spéciale! Wow, wow, wow! Qu'est-ce que vous foutez avec ce fusil? C'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Enfin, si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les en ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Et on vous a préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett Squarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête! Et ouais, ma poule! Pop, pop, peanut butter, butter pops! Pop, pop, ça fond dans la bouche! Pop! Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, hey, Toudou! On se calme, cow-boy, d'accord? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux! Emma? Le fusil, s'il te plaît. Quoi? Tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile. Je veux juste qu'on fasse un petit duel. Non, mec. C'est hors de question, non. Ok, les gars. Même si je kiffe voir Nick se dégonfler devant un défi, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Eh, hey. T'as raison. Ouais. Je devrais peut-être juste... donner à Nick les Butter Pops comme un acte de charité, par pitié, quoi. Bon, t'as gagné. Ouais, génial. Jacob, donne-moi ce fusil. Tu toucheras pas d'arme à feu tant que tu te comporteras comme... Bon, bah, tu peux être l'arbitre. Il nous faut un juge impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée sympa. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez! S'il te plaît... Elle prend le fusil, mais... D'accord. Je trouve que c'est dangereux, mais alors, on charge. Alors, c'est parti pour un duel à l'ancienne. Il y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir. Mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh, oh, on sera sage. Ok, bon... Juste pour info, j'ai été tireur d'élite. Troisième classe. 3 ans d'affilée. Classé meilleur du camp à chaque fois. Juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter butter pop. Tu rêves? Tu m'as jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je serai au courant si t'as... Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir, on jouera selon mes propres règles. Et on discute pas, pigé? Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches.
En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Putain, c'est moi ou elle est canon quand elle donne des ordres comme ça? Je suis toujours canon, petite bite. Ouais, ok, merci. Bye, bye. Oh, ce gâchis, bon alors, pastèque. Ce petit tête-à-tête avec Abby dans les bois. C'était pas mal. Eh, hey, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a un peu flirté. Elle est... très brillante. Ouais. Ouais. Mais t'as conclu ou pas? Sois pas dégueu. Non, y a pas de souci, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place. À ce propos, laisse-moi te montrer comment un vrai mec tire son coup. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter? Non, je crois qu'il a une commission. Ah. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Nick d'abord, et Jacob ensuite. Ne mettez le doigt sur la détente qu'une fois prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. Deux choses. Pensez au recul et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez, évidemment. Super, Nick! Un point, ouais! Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Allez, Nick! On rigole plus! Joli tir! Coup de chance. Un point pour Nick. Bien joué, Nick. Allez. Montre-nous ce que tu vaux. Ok. Vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexe. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire, Jacob. Oh, je croyais que t'étais un super tireur d'élite. Ouais, avec un vrai fusil. Hey, okay, mec, fais attention là. Hey, canon à plomb. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Hey. Ok, disqualifié pour avoir joué au con. Quoi, mais non. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Hein? Pop, pop! Peanut butter, butter pop! Ok, c'est bon, j'ai compris. Bam! Qui a dit que c'était fini? La vache! Wow. Pop, pop, peanut butter, butter pops! Est-ce qu'on peut se regarder? On revient où du coup? Chapitre 2, Ryan. 2h08. On est bon. Hop. À
C'était pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon, on s'est cogné le début, le plus mou, je pense. Je pense que ça va démarrer par la suite. Ouais, ça reste aussi bon que le reste. C'est un peu stéréotypé, un peu plus gamin, mais je pense que la suite va être super intéressante. Je pense que ça va démarrer, ça va envoyer du steak. Voilà. Et bien, je crois qu'il ne restait plus que Bad. Ouais, il était courageux, Bad, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et bien, on continue demain. On va essayer de bien avancer. Parce qu'après samedi, il y a ETS. Et on essaiera de continuer certainement dimanche et lundi. On a fait 2 heures de jeu. Oh, 4 streams, c'est 4-5 streams. À moitié. Allez, repose-toi bien, Bad. Et puis demain la suite, quoi. Hein? Bonne nuit. Repose-toi bien, et puis j'espère que ça va aller mieux, ta jambe. Normalement, ça devrait... le temps passant, ça devrait passer, quoi. Ah, le dashboard à la tablette. D'accord. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympathique. Hein. Et moi, la tablette, peut-être plus tard, je verrai. Mais c'est vrai que je suis pas trop... Je me suis jamais trop intéressé pour l'instant, mais comme j'ai la petite qui s'intéresse, je pense que... Comme elle en veut une jolie, ouais. Je testerai quand elle en aura une. Ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a même des mecs qui ont fait avec des sièges de bagnole, ils ont mis plus de 3 tablettes là avec tout, ils ont toutes les infos, ça fait vraiment une cabine. J'avais vu, ouais, il y a des trucs sur YouTube. J'avais vu ça, ouais. Bah, c'était Kena et compagnie, je crois qu'ils m'avaient parlé de ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment du foutu. Moi, je ferais que du ETS, c'est un truc que je ferais, mais comme je varie beaucoup, ça ferait beaucoup d'installations à chaque fois. Et voilà, quoi. Il faudrait une pièce dédiée à ça, quoi. Un coin, du moins. Ouais. Mais c'est bien foutu, ouais. C'est, franchement, sur ETS, ils ont fait quand même des... Entre la promo, de trucs RMP, tout ce qui va à côté, il y a pas mal de modes aussi... Les kilomètres réels et tout ça, j'avais vu. J'ai oublié le nom. C'est vraiment un jeu qui a créé beaucoup de contenu annexe. Beaucoup de... Ouais. Bon, top. Pas si... Les dégâts sous les yeux et les fonctions de lumière. Ouais. Ah ouais. Tu peux faire pas mal de trucs, ouais. C'est bien cool. Et le GPS. Ouais. J'en ai 3, moi. J'en ai une quatrième. C'est clair. Minuit et demi. C'est bon, je vais pouvoir rattraper un peu mon sommeil, parce que demain, c'est 7h30 encore. Et 3 boutons retour au garage. Ça peut servir. Passe une bonne nuit, Bad. Bon réglage de ta tablette. Oui. Oui. Je pense que c'est surtout les 3 boutons retour au garage. Bien vu. Passe une bonne nuit et demain, la suite de The Quarry, hein, on va rentrer dans le dur, je pense, là. Ça va commencer, il fait nuit, ça va, il y aura beaucoup moins de répit. Ouais. À demain. Ciao, ciao.